forever. Let's do King Julian style. C'est Odin, je te dis. Ne sois pas idiot, Braun. Chacun sait que c'est Odin qui mène la chasse sauvage. Eivor, qui mène la chasse sauvage? Odin. Pourquoi? Je suis en train de lui décrire Oskoreia, mais il veut transformer ça en une mascarade. Pas une mascarade, un spectacle. Je me disais que certains pourraient se déguiser en dieu et défiler. Avec toi en tête, Eivor. Oskoreia, ce n'est pas le festival des châtaignes, mais le moment où le voile entre les mondes est si fin que les morts nous hantent, à moins de les honorer. Absolument. Et où les dieux viennent chasser en Midgard. Et pas seulement le gibier. Alors autant éviter d'attirer leur attention. Tu as raison de te méfier de la colère des dieux, Danois. Mais ce n'est pas en se cachant qu'on échappe à la chasse sauvage. Mon oncle, je t'ai dit de laisser ces gens tranquilles. Tu t'es encore roulé dans les herbes, n'est-ce pas? Un peu de respect, petit morveux. Et appelle-moi Maxwell, comme tout le monde. Mais personne ne t'appelle comme ça. Je t'ai vu déposer tes pots fumants un peu partout. Tout le village sent comme une cabane de clairvoyantes. J'ai placé ces pots-là où la trame du voile est la plus fine, afin de percevoir les menaces invisibles avant qu'elles nous tombent dessus. Désolé, Eivor. Il a l'habitude d'arriver sans prévenir. Je lui ai dit qu'il pouvait loger chez moi pendant son séjour ici. Tu fais bien de lui offrir l'hospitalité. Il faut marquer d'une manière ou d'une autre l'époque de la chasse sauvage. Elle est source d'inquiétude pour les gens des deux religions. Et selon toi, Eivor, comment faut-il honorer Oskoreia? Par des épreuves de force et d'adresse. Comme le tir à l'arc de Tyra, pour montrer à la chasse que nous ne sommes pas des proies. Son dernier tournoi a eu tant de succès que Swinda prépare à nouveau quelque chose. Bien. Dis-lui que ce ne sera pas un spectacle, mais une préparation à la chasse sauvage. Dis-le lui, toi. C'est toi qui dirige cette préparation. Moi? Mais je n'ai... Et va voir ce qu'a fait Goodmund à la mémoire des défunts. Tu n'as pas remarqué le navire au beau milieu de la colonie? Je l'ai vu, oui. Bien. On peut pas le louper, hein. Que la sagesse d'Odin te guide. Donc, pas de spectacle? J'ai une meilleure mission à te confier, Braun. C'est toi qui évalueras qui impressionne le plus les dieux. Tu seras le gardien des jetons. Je serai pour toi le meilleur des juges, Eivor. Va voir Norvid à propos des jetons. Dis-lui que je t'envoie et je viendrai te voir plus tard. On en a du boulot. Les herbes révèlent l'invisible. Mais c'est toi, car tu diriges, qui dois franchir le voile et découvrir les mystères de l'abîme. Oh, je n'ai jamais dit que je dirigeais. J'aurais peut-être dû laisser Braun organiser son spectacle. Vu ce qui est arrivé avec les nouveaux? Elle m'a l'air d'être trop jeune pour combattre. Ce sont des pillards. Il faut une compagnie bien étrange. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 31e épisode sur Assassin's Creed Valhalla en compagnie d'Eivor. Et c'est la fête, il y a pas mal de choses à faire. On doit préparer le clan du Grand Corbeau à la chasse sauvage. Il va falloir remporter aussi tous les défis d'Oskeria. Ou d'Oskeria, je sais pas comment ça se prononce, montrer au clan que Ravensthorpe est prêt Et il faut aussi qu'on aille parler à Alvin optionnellement. Je sais pas s'il faut que j'y aille voir les petits points là. Pour commencer la fête et les préparatifs. Je vais aller voir le pépère là, on va lui parler. Bonjour à toi, Alwyn. Ah, bonjour, Eivor. C'est l'autre quête. Tu diriges la fête de l'automne? J'ai hâte de découvrir ça. Comment l'appelle-t-on? Oskoreia. Et je ne la dirige pas, cette fête. Je ne fais que parler aux gens. D'accord. Oh, ne sois pas modeste. Je suis sûr que ton rôle est bien plus important que ça. Ah, au fait. Putain, faut que le premier type sur qui je tombe, c'est Alvin. Sur l'oncle de Braun. Il laisse des peaux enflammées un peu partout. Je sais, oui. Il est étrange, et peut-être même un peu fou. Mais je ne pense pas qu'il cherche à faire le mal. Oh, je ne pensais pas à une malfaisance, non. Mais Braun a dit qu'un jour, il avait mis le feu à une église. Par accident, bien sûr. Oh. Et il y a peu, je l'ai vu se diriger vers l'orée du bois avec un gros tas de bois mort. Je dis ça comme ça. Il va faire brûler toute la forêt. Par où est-il parti? Suis la fumée, bien sûr. Ok, putain, faut que j'arrête de faire les préparatifs et que j'aille empêcher l'autre tartampion. Je sais pas si c'est lui là-bas. Avant de m'adresser à cette personne, je vais d'abord voir qui c'est. Non, ça a l'air d'être bon. Tyra, il faut à tout prix que nous ayons une épreuve d'archerie. Celle-ci vérifie qu'un chasseur sait lorsqu'il ne doit pas décocher. Quand un archer doit-il garder sa flèche? Imagine-nous chassant ensemble. Tu fais craquer une brindille et je décoche dans cette direction sans réfléchir. Qu'arrive-t-il selon toi? Ah, c'est bon, j'ai compris. Lors de cette épreuve, on marque des points en touchant les bonnes cibles et on en perd en atteignant les mauvaises. Voilà qui me paraît simple. Et pour que cela soit plus intéressant, le temps est limité. Tu as envie d'essayer? Ouais. Moi, j'accepte. Passe-moi un arc. On va tester, hein. Ok, je sais pas si ça va valider comme épreuve ou quoi aux caisses, mais on va bien voir. Donc a priori, il faut sûrement que je tape que les vertes et pas les rouges. Ouais, concentre-toi, Eivor. Ah ouais, d'accord, ok. Quand je te le dirai, vas-y! Ah merde. Ah, puis je peux pas me déplacer, je suis bloqué sur place, quoi. Ah ouais, les jeunes. Je sais pas si en tapant... Ouais, ça se trouve, elle change de couleur au fur et à mesure. Je préfère éviter de taper les oranges. Et je préfère attendre de voir, je sais pas si elles mettent des... Enfin, quoi qu'après, je testerai de toute façon après. Et on verra bien ce que ça va donner. Moitié du temps. Non, faut pas être pressé par contre. Ça là, pour aller la voir, si elle se retourne, je l'ai un peu dans le fululu. Ok, la suivante s'il vous plaît. Ah, je sais pas si en visant peut-être plus au milieu, ça me rapporterait plus de points. Attends. Ouais, ok, super. Ah, t'es sérieuse ou quoi la cible? Tu te retournes au moment où il faut pas. Et je viens de perdre des points parce que j'ai tapé dans le mannequin. Franchement, je suis tenté de tirer dans une rouge. Allez, pour finir. Ah, ça fait 25 points, ça donne des points. Vous êtes sérieux ou quoi? Ah, je suis dégoûté. Ouais, au fait, faut juste que j'évite de taper sur les petites poupées là. Et vas-y, je vais retenter là. Tu veux envoyer quelques flèches? On va faire un nouveau score. Hein. Ouais, j'accepte. Donc, ok, je peux taper dans les rouges et les oranges. Mais faut que j'évite de taper dans les deux boucles là. Et dans le mannequin qu'il y a devant. Ok, ok, c'est bon, on a compris. Il y a moyen de passer l'intro là. Ah, m'en veuillez pas, je me concentre. Ok, j'en ai mis une dans le décor. Je tapais celle en haut à gauche parce qu'elle allait bientôt se retourner. Ok, bah là c'est pas du tout la même chose, le score il augmente là. Ah ouais, dur. Bon ça j'ai fait une erreur. Et on a la moitié du temps. Ah putain, vite là, recharge. Ah, j'ai eu du cul avec le mannequin. Oh, t'es sérieux? Ouais, je parle pas beaucoup, les jeunes, je suis plutôt concentré. Ok. On va essayer de prendre quelques points pour finir. Ah ok, je sais pas combien j'ai mis, peut-être 1200. Ah 1615. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai récupéré 100 jetons. Il y aura un truc à aller voir là-bas, on va y aller. Attendez, par contre le suivi de quête, les jeunes... Rendre compte à Randvi. Mais Randvi, elle était pas là. Il se moque de moi ou quoi? Ah, et là, je me tape un gros lag. Je peux pas passer par ici, messieurs, dames. Bah, je vais faire le tour de la maison. Hein. Ok. Qui c'est qui est donc là? Non, mais c'est l'autre, là, on s'en fout. Ah, Randvi, elle est peut-être rentrée depuis notre dernière... Bah, ce qui est marrant, c'est que bon... Quand je suis arrivé au village, elle était pas là. Bonjour, Eivor. Il faut que je lui parle et que je vois aussi pour la fête. Nous elle m'a laissé un message pour voir les autres en plus. Leur Jarlskona, Soma, après tes serments. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui, et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable et une femme agréable. Elle se sentira vite chez elle ici. Ravi de sa venue alors. Beau travail. Ok, Gauntlet Bridge Clear, Sears. Sachant qu'on doit les buter ceux qui sont autour là, dans les zones. Quelqu'un s'est installé dehors. Un marchand, je crois. À l'occasion, demande-lui ce qu'il fait ici. Il a l'air de représenter une vaste guilde. Le regard des enfants ou les enfants sans regard. Les enfants sans regard. Non, ce n'est sûrement pas ça. Demande-lui. Ok. Non, surtout la fête, moi, que je vais aller préparer. Ah non, là, ça va être pour attaquer un autre bled. Pas pour le moment. Donc, on va retourner faire un petit tour dehors. On va parler aux marchands. Moi, je veux bien, mais bon, la fête, elle va pas se préparer toute seule. J'étais censé faire la fête. Ils sont chiants, là. C'est qui, ce marchand, encore? À moins qu'ils viennent festoyer avec nous, mais bon. D'ailleurs, faudrait que j'aille voir ce qu'il y a après, là. Vers le port, donc lui, qu'est-ce qu'il veut, le marchand? Eh, hey, bonjour. Un nouveau client. Oh, je le sois ou pas, c'est à moi que tu as affaire. Randvi dit que vous êtes des marchands. Ah, bonjour, bonjour. C'est toi le chef de ce campement si animé? Je parle en son nom. Nous venons de la part des... Ah, il m'écoute même pas, quoi. Des vendeurs de marchandises peu courantes et de trésors exotiques venant de tous les coins du monde. S'il te faut quelque chose, nous l'avons. On dirait le même homme qu'il y avait dans... avec Bayek. Telle est notre devise. Je vois. Derrière. Et ce gamin est avec toi? Un gamin? Gamin? Mon ami, tu as devant toi le maître des 1000 regards. Le dirigeant de notre guilde. Une légende. Un héros de notre peuple. Et le plus riche marchand à l'ouest de l'Indus. Je te présente Reda. Il parle de toi? Eh oui, Eivor, ami des loups. C'est un plaisir de faire enfin ta connaissance. Reda, ça me dit quelque chose. Hein. Comment sais-tu qui je suis? J'ai l'impression de te connaître. Tu as l'air étrangement familier. Je peux t'assurer que nous ne nous sommes jamais vus. Peut-être ai-je un visage banal. Moi, je trouve que c'est le même marchand qui est avec Bayek. Ou toi pour moi? C'est très simple. Contre une modique participation, je peux te mettre en relation avec un marché clandestin qui s'étend des dunes d'Égypte aux landes d'Angleterre. Quel genre de participation? Elle varie selon l'article, mais il y a une légère contrainte. Sur ce marché, tout se paie en opale. Intéressant. Elle a une teinte très étrange. Je peux la prendre? Tu peux la prendre et la garder, Eivor. Reda te l'offre pour te remercier de ton immense hospitalité. Maintenant, regarde, découvre les marchandises que je te propose. Ah, ok. Épée baïonnette, deux mains. Vacillant des ennemis d'une zone après avoir infligé l'attaque spéciale à un ennemi. Ok. J'ai le droit à un machin... Pierre Gagu à tête blanche. Ouais, bah après c'est de la déco. J'aime bien la voile par contre. Voile du chevalier Usu. 35 opales, je sais même... Ah, j'en ai 385. C'est quoi ça? Griffe d'ours? Hache accrochée. Mythique. Et là, c'est quoi? Brassard du berserker. Mais je les ai pas déjà, les brassards du berserker. Vous foutez de moi, quoi? Ah oui, je les ai déjà, ils sont cochés. Acquis. Ok. Ah, ok, les jeunes. Par contre, l'arme, l'épée baïonnette disponible, sélection quotidienne. 120 opales. Putain, ça va déjà craquer mon budget. Je veux bien voir la tête. Ah non, d'accord, je peux même pas voir l'apparence. Je suis obligé d'acheter direct, quoi. Non, mais je veux pas, moi. Je repasserai après. Planteur, machin et tout. Je vais attendre. Je m'en fous de vos trucs dans ce cas-là. Rien pour l'instant, mais non, peu importe. Rien du tout. Mon inventaire change chaque jour. Tu trouveras bien ton bonheur. Puisque nous sommes maintenant amis, cela fait aussi de toi un ami des mille regards. Et qu'est-ce que ça change? Observe ma tenue, regarde mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés, vêtus de la même manière. Ce sont mes gens, mes regards. Ils t'aideront à commercer ou à remplir certains contrats. Rends leur service et tu toucheras une belle somme. Je serai même enclin à te remercier moi-même, c'est pour dire. Voilà une offre intéressante. Heureux de l'entendre. Maintenant, pardonne-moi, mais mon apprenti doit s'occuper d'une tente. Vous allez rester quelque temps, j'imagine. Oh oui, et tu n'as pas à me remercier. C'est un honneur pour nous de nous installer ici. Bonne journée à toi. Ok, 50 opales. Bon, je vais pas lui reparler, sinon il va vouloir qu'on fasse là du commerce ensemble. Je vais voir ce qui se passe par là, là. Je veux finir de préparer la teuf, moi, les jeunes. C'est quoi? Ici, Kélis aidera à créer vos gens, à recruter, machin et tout, débloquer. J'aurai assez, ouais, j'ai pas mal de ressources, autant le faire. Comme ça, en plus, j'ai une quête, c'est améliorer mon camp niveau 3. On va voir ce qu'il y a d'autre à améliorer après derrière, donc on verra après pour la création du Chance Screen. Nous allons recruter d'autres guerriers et constituer le plus redoutable équipage à avoir jamais écumé les rivières d'Angleterre. Ouais, on peut même jouer au dé. Ouais, parler un machin pour recruter. Non, j'ai pas envie là pour le moment, les jeunes. Je vais surtout aller voir ce qu'il y a là-bas là. Il y a plein de gens qui ont la tête grisonnée. Qu'est-ce qu'il a lui? Toi, tu peux peut-être m'aider à trouver Hytham. Moi, je peux. Qu'est-ce que tu lui veux exactement? J'ai apporté un assortiment de marchandises d'Irlande. Enfin, si j'ai la permission de faire amarrer mes navires. Hazard! Je vois que tu as rencontré Eivor. Ah, d'accord, ok, ouais. Ah, alors c'est toi, Eivor. Justement, je t'apporte un message en provenance d'Irlande. Je ne connais personne en Irlande. C'est une lettre du roi de Dublin. Mais, hélas, je l'ai apparemment égarée. Le roi de Dublin? Pourquoi ce roi m'écrirait-il? Il désire étendre son commerce à l'Angleterre. Et c'est pour cela que j'apporte des marchandises. Hazard vient d'Orient, mais vit à présent en Irlande. Pour ce qui est du commerce, Hazard, c'est à Randvi que ton roi doit s'adresser. Il dit connaître Eivor. Il m'a demandé de t'accompagner auprès de lui. Je ne connais aucun roi. et je n'ai pas l'intention de me rendre en Irlande. Avant tout, Hazard, tu dois bâtir un comptoir marchand. D'ailleurs, où est ton navire? Ah, oui, à ce propos. Un contretemps, ma foi, désagréable. Des concurrents empêchent mes marchandises d'arriver jusqu'ici. Un fleuve bloqué nuit à tout Ravensthorpe. Reste, je vais aller régler ça. Comme tu le vois, Eivor est un homme d'action. Reviens me voir plus tard, quand le passage sera dégagé. Entendu, mon ami. Je te remercie, Eivor. Entre-temps, je retrouverai le message du roi. Tu t'entêtes à dire que je connais un roi irlandais. Autant t'arrêter tout de suite. Énorme. Quel peut être le roi qui m'envoie du courrier d'Irlande? Je ne sais point, mais il se passe des trucs trop chelous dans votre machin là. Ah, je vais aller voir le journal de quête, ça ira plus vite les jeunes. Non, non, je... Ah, je viens de me péter les oreilles en sifflant la corne là. Ah, les jeunes, je veux juste préparer la fête. Je sais même pas ce que c'est que ce gros logo là. Ah, 16... Ah, il y a plein de trucs à faire. Alors, je suppose que retour découvrir comment protéger Ravensthorpe des forces surnaturelles, ok. Menace voilée, la reine de machin bidule. Le défi de Tyra, bah, je vais aller voir ça, hein, la menace voilée. Ah, peut-être que l'autre là, parler à Swinda, peut-être dans l'attente, faut qu'on se fasse une joute. Testez votre valeur au défi équestre. Les visiteurs sont arrivés à Ravensthorpe. Et là, c'est le cours d'eau, je suppose. Chapitre 1, apprenez à mener les attaques fluviales, ok. Je vais aller faire ça là, déjà pour commencer. Là je sais pas du tout ce que c'est les gens à qui causer là, mais peut-être aller voir ça vu qu'on est à côté. Il y aurait le gros logo là. Je sais pas du tout ce que c'est non plus. Donc on va commencer par aller voir ça. Ah c'est juste ici. Ah c'est le marchand. Ok, on s'en fout. J'espère qu'ils m'ont enlevé le point. Tiens, toi je te plante. Là-bas, j'aurais des gens à qui parler. Alors, je sais pas si c'est ceux dont Randvi m'avait parlé la dernière fois. Mais on va aller voir. Ah, c'est lui. Eivor. Bonjour, Alvis. Te revoilà. Veux-tu retenter ta chance? Oublie cela. Ouais, merci, je suis désolé de t'avoir frustré, mais bon, j'ai autre chose à foutre. Donc, par contre, pour les chevaux, c'est de l'autre côté, plus loin. Ouais, non, ça va être juste une jarre à porter. Moi, je veux faire la fête, les jeunes. Il y a un chat. Ok, les murs. Là-bas, il y aurait quelqu'un à qui causer. Je sais pas si c'est pour les attaques fluviales. On va aller voir. Mais moi, mon logo serait à 130 mètres. Je vais quand même aller causer à cette petite dame. Eivor, ravi de te voir. Certains d'entre nous s'inquiètent à propos de la grande chasse. Je veux les rassurer par des concours de talent et de courage. J'ai ce qu'il te faut. Je viens de recréer le chaos des combats. Nos guerriers se battront dans le brouillard de la guerre. Tu veux parler de la fumée? C'est un moine qui a apporté ces feux? Oui, il a parlé d'un voile. Je n'ai rien compris. Mais je trouve que cette fumée apporte quelque chose à l'entraînement. De quelle manière? Je ne veux pas gâcher ta surprise. D'autant plus que chacun réagit différemment. Tu veux essayer? Ouais, allons-y, soyons fous, tant que je suis là, j'irai faire du poney club après. Je trouve c'est des trucs hallucinogènes. J'aimerais bien me refaire pousser les cheveux aussi. Et je sais même pas si nos cheveux vont se mettre à pousser naturellement ou pas et qu'on devra changer de coupe de cheveux et aller chez le coiffeur. Ça aurait été bien. Ok, une petite séance de méditation. Survivre aux vagues. Oh, mais je suis passé où, les jeunes? Vous êtes sérieux ou quoi, les jeunes? Il avait l'air d'avoir un point faible sur le torse. Oh, t'es sérieux, Manon? Ouais, j'ai l'impression que l'autre, il a repris de la vie. Quand je te mets en pleine tronche, et là maintenant je te découpe. T'es qui toi? Attends, bouge pas tes jambes. On va piétiner là. J'en suis à quelle vague, les jeunes? La vague numéro 2 débutera bientôt. Et je sais pas s'il y a moyen de reprendre de l'énergie quelque part. Déjà j'ai ramassé des flèches. Ah, je les piétine tous. Ah, merci bien. Comme ça on n'en parle plus. Allez les jeunes. Ah ouais carrément. Ah, attendez là je m'esquive. Ah j'aurais peut-être pu lui sauter dessus aussi. Tant que je perds pas et que je meurs pas surtout. Ah, ah ouais d'accord. T'es sérieux ou quoi, Mano? Je me suis décalé. Putain, t'es un enfoiré. Putain, mais vous êtes sérieux ou quoi, les jeunes? Non, mais... ils se foutent de moi, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf. Allez, esquive. Je vais là. Mais ah ouais, bien sûr. Ah, puis en plus, il m'a ruiné. Ah, il m'a ruiné. Oh putain, je le loupe. Ah, il m'a ruiné. Ah, je vais m'en sortir avec ma phrase. Ah, j'ai plus de flèches. Ok. Ah, il m'avait ruiné. Ah, je peux peut-être te mettre un coup là. Bah ouais, bien sûr. Soyons fous. Putain, mais il y a moyen de me relever ou pas? Ah, il va me bouffer la tête. Ah, lâche-moi. Oh, c'est chaud. Ah, merci bien. Ouais, là, j'avais pas d'autre choix. J'avais plus de flèches, rien du tout. Ah bah parce que ça, c'était que la deuxième vague. Non, je pensais que monsieur faisait partie de la troisième directement, moi. Putain, refilez-moi des flèches, les jeunes, là. Putain, il manquerait plus qu'ils me remettent un... Ah putain, il a interrompu mon attaque. Ah ouais. Putain, vous êtes chaud, j'ai utilisé toutes mes doses. Putain, laisse-moi juste te péter la jambe. Ah, merci bien. Ah, t'es sérieuse ou quoi, madame? Oh, putain, je te loupe la guibole. Ouais, moi aussi, je peux me déplacer. Oh, t'es sérieuse ou quoi? Ah, je voulais pas trop faire ça, mais c'est pas grave. Ça passe quand même. Je voulais essayer de lui rusher dessus. Ah, putain, j'ai été empoisonné. Ah, parce qu'en plus, là, je me tape un... Ah, je me tape un loup-garou, les jeunes. Et je vais crever, c'est impossible, votre délire. Putain, je suis empoisonné. J'ai la tête en vrac. Ah merde, je crois que je suis sorti. Ouais, bon, bah, je préfère sortir, ça sert à rien, je vais mourir. Bon, j'aurais bien voulu voir comment on meurt, mais je pensais que j'aurais pu me rapprocher du bord pour essayer de choper des flèches ou quoi. Mais sans y parvenir. Au moins, tu t'es bien battu. Tiens, prends quelques jetons. Ouais, bah, faudrait que je sois mieux préparé, les gars. Non, je vais essayer d'augmenter un petit peu mon... Ouais, vague 2 sur 3. Ok, c'est plutôt pas mal. 45 jetons. Je veux bien retourner voir les chevaux. Par contre, c'était par ici, normalement. Ah, je vois pas pourquoi ils m'ont enlevé mon... Ah, mon point. Bah, écoutez, je vais essayer de retrouver, hein. Ça va être vite fait. Ah, c'était là. Et à côté, c'est rencontrer les visiteurs venus. Ok. Là, je mettrai ça après. Donc ce serait au-dessus par là. Donc on va foncer. Ok, voici nous voilà. Bonjour, Ake. Je ne te savais pas. C'est plus le même petit genou qu'on avait vu avant qui s'occupait des chevaux. C'est bizarre. Je ne suis pas venu te chercher. Moi qui ai pris de l'embonpoint et qui laissait pousser sa barbe. Un défi, Eivor. Une authentique épreuve d'aptitude équestre. Il y aura des barrières à briser. Faut qu'on améliore le campement aussi après. En un temps limite. Quelle partie est un défi exactement? Il faudra faire preuve à la fois de talent, de vitesse et de maîtrise. Okay, tu penses vraiment posséder tout cela? Ouais. Oui, allez, vas-y. Donne-moi le temps de monter à cheval. Ok. Ok, c'est parti. Vas-y, fonce, Alphonse. Putain, mais tire! Putain, je suis en train de mettre... Je suis en train de mettre en joue. Je lui demande de décocher une flèche, il le fait pas. Bon, je peux peut-être couper les gemmes. Ok, il est fatigué, le dada, c'est ça. Allez, mais... Ah ouais. Je vais sûrement tuer une chèvre. Mais c'est pas grave. Ah, j'ai pas vu, il y avait des cibles sur les côtés. Donc faut que je reste quand même vigilant. J'espère qu'ils m'en ont pas planqué non plus à l'autre bout de la terre. Voilà, je me prépare à tirer s'il faut. Ok, vas-y, dépêche là, cours. Il est fatigué de cheval ou quoi là? Ouais, merci bien. Putain, j'ai du mal à courir, hein. Il peut pas faire trois choses à la fois quoi. Allez, prends la porte. Ok, bientôt l'argent. Embarrez-vous. Ouais, qu'est-ce qui me gêne le chemin là? Ok, ça c'est fait. Voilà, là il y a une cible. Voilà, merci bien. Je sais pas si je vais dans le bon sens. Bon, a priori, oui, vu qu'il y a plein de petits. Vas-y, tire. Putain, t'as du mal. Vas-y, fonce là, Alphonse. Putain, il veut plus courir, mon carnasson. Mène-toi le trop de balles là. Je sais pas si j'ai loupé des cibles, mais bon. Pourquoi ce silence, Ake ? Aurais-tu perdu ta langue? Ton talent me laisse sans voix, que veux-tu? Prends donc toute la récompense. Là, j'ai peut-être rien loupé. Je sais pas si je pourrais refaire tout ça. Ok, vas-y, merci pour la gloire. 40 jetons, j'en ai eu moins que tout à l'heure, alors que j'ai fait la deuxième vague, j'ai eu 45 jetons. Faut qu'on aille parler à des gens, je sais pas si c'est eux juste en bas. Donc on va aller leur causer. C'est une bonne épée, ça. Ah, ça se déclenche, petite cinématique. Charmante la demoiselle. Est-ce que tout est là? Il faut que ce banquet soit grandiose. Oui, c'est notre dernière chance. Amis des loups. Bienvenue à Ravensthorpe. Mon nom est Eivor, mais apparemment tu le sais déjà. Nous te connaissons tous. Je suis Toka Sinrich Dotir, et le franc ennuyeux qui m'accompagne est Pierre, mon conseiller. Nous sommes là au nom de Sigfred de Francie, guerrier de renom et chef des hommes du Nord qui vivent là-bas. Vous vous sentez déjà comme chez vous, on dirait. C'est grâce à vous tous. Vous avez fait un travail incroyable ici. Cette maison est un ajout approprié. Nous avons aussi apporté de Francie des plats au goût surprenant. Et si tu préfères la boisson, nous avons du vin épicé. C'est très généreux. D'aucuns diraient trop généreux. Considère cela comme un gage de bonne volonté de la part de mon oncle Sigfred. Tu sais, d'un clan à un autre. Le sang coulerait à flot si l'on apprenait que j'ai refusé un banquet, alors nous l'acceptons. Parfait, tu nous fais honneur. Ravensthorpe me rappelle la Francie d'autrefois. J'aurais donc à cœur d'y revenir souvent. Et nous en serions ravis. Mais je gage que ces cadeaux n'en sont pas vraiment. J'aimerais savoir ce que tu attends de moi. Ta réputation de grande sagesse n'est pas usurpée. Tu pourrais me l'enseigner autour de quelques chopes. Qu'en dis-tu? Nous mangerons plus tard, commençons le festin, on va manger plus tard. J'ai d'autres soucis pour l'instant. Nous festoirons plus tard. Alors nous aurons à cœur de t'attendre. Merci madame. Bah écoutez voilà, on ira festoyer avec eux la prochaine fois. Je sais pas si franchement j'ai fini tous les préparatifs ou non. D'ailleurs peut-être qu'ils veulent un truc là, élément décoratif. Je leur mettrai un truc, je leur mettrai une souche d'arbre. Hôtel sacrificiel, ils seront contents. Peut-être pas, je sais pas, je vais peut-être pas mettre ça là maintenant. Arbre d'ornement cérémoniel, vu qu'on va peut-être faire une alliance, on pourrait peut-être leur mettre ça. Ornement de marin, faudrait que je mette ça près du port. Berserker, faudrait peut-être que je mette ça près de chez moi. Cible d'archerie et tout, faudrait peut-être mettre ça vers les écuries peut-être. Fosse à feu confortable, on va peut-être pas mettre ça là non plus. Ok, bah écoutez, il faut qu'on améliore aussi encore notre campement. Donc si je lui reparle, ça va déclencher la petite fête. On va voir s'il n'y a pas un truc à améliorer dans le coin. Je sais pas si au port, il y aurait d'autres trucs. Menace voilée. Swinda. Ouais, bah ça on l'a fait, on a eu mal. Tyra, l'archerie, on l'a fait. Apprenez à mener, ça ferait peut-être que je le fasse, ça se trouve j'ai peut-être plus rien à améliorer, je vais voir hein. Mais c'est bizarre. Tu dois faire une bonne action avant de pouvoir te servir en jeton. Ah. Je vérifiais ta vigilance, Braun. C'est bien, très bien. Alors, on va lui parler pour voir. Norvid t'a remis les jetons. Oui, il m'a même donné un panier où les mettre. Mais l'idée que ce soit moi qui les distribue n'a pas eu l'air de lui plaire. C'est lui qui a eu l'idée de ces jetons, et il aime les donner. Mais il retrouvera le sourire lorsque les gens viendront les lui échanger. Alors, que dois-je faire? Eh bien, si quelqu'un fait preuve de grand courage, ou de respect envers les défunts, récompense-le à l'aide des jetons. Très bien, je vois. Donc si quelqu'un me dit avoir agi ainsi, je le laisse prendre des jetons, et autant qu'il le désire. Braun, tu peux mettre en place quelques règles, ou au moins vérifier ses dires. Non, c'est inutile. J'ai un don pour juger les gens. Oui, c'est cela, oui. Nous verrons. Ok, ça promet. Ouais, ça promet, hein. Ça me rassure pas des masses, son truc. Ok. Je peux le recruter, lui. J'ai fait un long chemin pour me joindre à ton équipage, Eivor. Ouais, c'est un truc de... machin truc de quelqu'un d'autre. Ouais, non, je m'en fous pour le moment. Je serai prête quand tu auras besoin de moi. Ouais, ok, je m'en fous. Ouais, je trouve pas de trucs à améliorer là. Faut que je trouve ça rapidos. Ça commence à me stresser l'haricot. Là, je sais pas si c'est un vendeur ou quoi. Il y a quelqu'un avec qui causer. Birna, bienvenue au nid du clan du Grand Corbeau. C'est Birna. C'est vrai qu'on l'a même pas accueilli. La population a l'air d'être très variée. Je me sens comme chez moi. Te lève pas, surtout, ça va aller. Et tu es chez toi. Installe-toi. Imprègne-toi bien de ce lieu. Nous ne tarderons pas à partir. Ouais. Entendu. On a libéré les bateaux commerçants. Et je serai prête pour les attaques à venir. Comment le fleuve. Ok, ouais, parce que j'ai pris en note à lire. Ouais, non, j'ai pas le temps de lire. Je lirai la prochaine fois. Donc atteindre le niveau 3 de la colonie, moi je veux bien. Ça, on l'a amélioré. Il faudrait que je lui parle encore, mais on fera ça la prochaine fois. Je vais aller voir de l'autre côté, mais normalement on avait aussi construit ce qu'il fallait là dans le coin. Ça va être pour voir la boutique, je dois y aller. Ouais, on va me mettre en route. Au revoir. Donc c'est déjà fait. Vite me voir. Le bureau de ceux qu'on ne voit pas, je l'aurais construit. À moins qu'il faille l'améliorer au niveau 2 ou j'en sais rien. Je vais essayer de voir, mais je pense pas. Le tatoueur, je sais pas si je lui ai offert une... Ouais, si, je lui ai offert une échoppe, puisque je me suis refait une petite beauté. Bon, écoutez, je vais faire le tour des bâtiments et je vais essayer de trouver, parce que là, à moins qu'il faille mettre des... Putain, faut peut-être mettre des décos. Je vais foutre des décos... Ouais, mais enfin, ce serait pas l'améliorer. Au pire des cas, si je trouve pas, j'irai foutre des décos de marins près du port. Comme ça, peut-être que ça améliorera notre, notre petit village, notre colonie. Ok, je sais pas qui c'est, il faut que j'y aille. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici, déjà? Rapporte ici les proies de tes chasses, je te les achèterai. Et si tu as quelque chose... Ah ouais, faut que je... peut-être que je construise une baraque. Ok. Parfait. Cela dit, je ne pourrai pas faire grand-chose tant que tu ne m'auras pas construit un endroit où travailler. Ok, parfait. Je ne peux pas tanner de peau par terre ou sur une table branlante. Il faut que j'y aille. Prochaine fois, adieu. Ok. J'espère te revoir bientôt. Ouais, ouais, t'inquiète pas, regarde, dans 2 secondes. Faut que je trouve son petit panneau. Là. Ouais, améliorer. Puis après on retournera piller s'il faut, vu que ça peut nous permettre d'augmenter la réputation de la colonie. Peut-être que là je vais passer niveau 3 les jeunes. Ok. Renommée accrue. Ok, donc là, ça se trouve, c'est tout ce que je peux faire maintenant et améliorer. Merci. Il y a des nouveaux bâtiments. Qu'il s'agisse de peau, de viande ou d'os, nous ne vendrons que le meilleur. Et si tu vas chasser, songe à nous apporter tes proies. Nous préparerons les peaux et les têtes. Ok, oui, parfait. Je monte les trophées de Petra depuis des années, et elle s'y connaît. En absolument tout. Je m'en souviendrai. Que votre installation soit bonne. Eivor, tu as l'air d'avoir un faible pour... On dirait une indienne. J'aime les victoires, mais j'en garde rarement un souvenir. Tes armes portent la marque de grands combats, et ta démarche fait état de tes triomphes. Est-ce que je me trompe? Non. Mais pourquoi me demander cela? Pour étendre nos affaires, bien sûr. Voilà, c'est le meilleur tanneur et empailleur de toute l'Angleterre. Si tu veux que les récits de tes chasses te survivent, le meilleur moyen est d'en garder des trophées. Alors si tu viens à bout d'une créature rare, apporte-la nous. Nous la mettrons en valeur pour toi. Bonne idée. Des souvenirs pour décorer la maison. Le vieux moine fou, peut-être qu'il va falloir combattre quelque chose. Donc, Oh, avant de partir, tu aurais un instant? Il s'agit d'un petit service. Oui, toujours. Je t'écoute. Vas-y. Cela fait plusieurs soirs que j'entends une meute de loups hurler juste au-delà des bois qui nous entourent. Si on ne fait rien, ils vont dévorer le gibier de la région. Et quand il n'y aura plus de cerfs, ils risquent de s'en prendre à nous. Tu crois qu'il faut les éloigner? Je préférerais qu'on les tue, avec ta permission bien sûr. Et ton aide si la chose est possible. Peut-être plus tard. Je n'ai pas le temps pour l'instant, pardon. Mais je vais devoir faire ça maintenant. Une arrivée? Je me demande si Valkyrie parmi eux. Quoi, trophée d'animal, machin et tout, ok d'accord. Bah écoutez, on fera ça la prochaine fois, je pense que là on a pas mal bossé, sachant qu'en plus là ils vont peut-être me mettre... Ouais non, ils me mettent même pas les points pour justement améliorer le campement, donc va falloir essayer de trouver, de toute façon c'est notifié, donc on verra ça plus tard. Faut aussi qu'on apprenne à faire des attaques fluviales, ce serait pas mal, surtout si on a besoin pour notre petite fête des morts là, ou je sais pas quoi. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. On ira parler à la petite dame là-bas, et puis on essaiera de s'entraîner pour les attaques fluviales incessamment sous peu. Et puis on se fera ça la prochaine fois. Sur ce, eh bien écoutez, ciao ciao tout le monde, et survivez bien. Excellent. Oh donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.